Oui. Bonjour, chers amis. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons faire un long voyage de l'Afrique de l'Ouest vers la Corne de l'Afrique, précisément à Djibouti, qui est un pays frère de la Côte d'Ivoire, près d'un million d'habitants, environ 32 000 kilomètres carrés. Un pays où il fait bon vivre et où les services postaux sont maintenus et qui sont des services essentiels pour la population et pour le gouvernement. Nous avons le plaisir de recevoir le directeur général de la Poste de Djibouti. Et comme nous avons instauré ici une tradition, il y a un propos liminaire qu'il va faire, expliquer un peu les services, la vision de l'entreprise publique qu'il dirige. Et ensuite, nous passerons à la séance des questions et des réponses. Donc, bien sûr, son propos sera liminaire parce que s'il dit tout dans son propos, vous n'aurez plus rien à dire et il ne vous restera plus qu'à retourner dans vos rédactions pour rédiger. Monsieur le directeur général, merci beaucoup. Merci à On vous. sait que les agendas sont très serrés, mais vous avez quand même trouvé une fenêtre Oui, bien sûr. en plein travaux. Vous avez Absolument. abandonné vos amis postiers pour venir rencontrer vos autres amis journalistes, puisque ce sont eux qui permettent à l'information de Tout à circuler. fait. Et nous apprécions beaucoup cette disponibilité. Merci à vous. Donc, vous avez la parole et ensuite on passera aux questions. Merci. Bonjour, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Avant d'aller plus loin, je vais juste un tout petit peu corriger le propos de M. Toussaint. C'est pas 32 000 km², carrés, mais 23 000 km², carrés, Trente-deux encore mille plus carrés. petit. Je suis Donc, généreux, vous oui, voyez. voilà, merci. Donc, voilà, donc je viens de Djibouti, Afrique de l'Est, dans la Corne de l'Afrique. Les services postaux ne sont pas aussi, comment dire, aussi développés que dans certains pays européens. Nous avons une dizaine d'agences dans tout le pays, moins d'un million d'habitants, donc c'est plus ou moins, on va dire, équitable en termes d'espace. Et si vous comprenez un peu où se trouve Djibouti, vous comprenez un peu où vont les services postaux à Djibouti. Quand on est situé sur la Corne de l'Afrique et qu'on est dans une zone où il y a 40% du commerce maritime mondial qui passe, qu'on est le premier débouché d'un grand pays enclavé qui s'appelle l'Éthiopie avec ses 100 millions d'habitants. Donc, vous comprenez aisément que Djibouti étant elle-même un hub logistique, la poste de Djibouti s'inscrit dans cette vision-là. Donc, nous travaillons donc avec le gouvernement pour aussi assurer notre rôle de hub logistique pour la région. Mais au niveau local, c'est aussi surtout respecter ce qu'on appelle le service postal universel, pour que nos usagers, les citoyens djiboutiens, puissent avoir accès à des services postaux, financiers, des bancaires, etc., etc. Donc, je ne vais pas aller plus loin, j'attendrai vos questions, comme ça, j'irai peut-être en détail. Juste avant de passer aux questions des journalistes, vous allez juste nous repréciser le nombre de bureaux de vote, de bureaux de poste, Donc, pardon. on a une dizaine de. On a 12 bureaux de poste, dont 6 dans la capitale et une dans chaque ville de région. D'accord, donc ce sont plutôt des postes régionales. Il y a des. Oui, on a une agence, on a des agences, voilà, dans chaque ville de région. Et puis D'accord. dans la capitale, on a 6. On espère en ouvrir une autre bientôt. Mais toute proportion gardée. Le pays étant petit, les 12 agences actuellement qu'on utilise sont aisément suffisantes pour D'accord. la Donc, ils sont à la fois population. des centres de collecte, de tri, Oui, etc. ils font exactement la même chose tous, vu la taille. Donc, on était obligé de les mettre tous ensemble. Et donc, chaque agence est aussi un centre de tri, un centre de collecte. Bon, il y a un bureau d'échange international qui se trouve à l'aéroport, bien entendu. Mais toutes les autres agences, le client, il fait tous les produits postaux sont dans l'agence. Après, on a des systèmes de voitures, etc., de transport pour les acheminer vers l'étranger s'il le faut, ou sinon au niveau local. Très bien, merci. C'était la précision nécessaire.
avant de passer la parole au journaliste. Habib. Bonjour, monsieur le directeur général. Je suis Stéphane Betty, journaliste à l'agence de presse panafricaine. Alors, monsieur le directeur, 118 pays sur 192 sont en présentiel à Abidjan dans le cadre de ce 27e congrès de l'UPU. Quel sentiment vous anime en tant qu'Africain quand on sait qu'il a fallu 87 ans pour voir de nouveau cet événement s'éteindre en terre africaine? D'abord, c'est un honneur très, très particulier d'être en terre africaine. Je suis directeur des postes depuis 7 ans, donc je fais partie du groupe africain qui s'est battu pour amener ce congrès à Abidjan. Et la poste du Côte d'Ivoire a fait un travail extraordinaire, a fait un vrai travail extraordinaire où il a rassemblé les Africains pour cet objectif-là. Deuxièmement, c'est vrai, vous l'avez dit, depuis 87 ans, il n'y a pas eu de congrès africain. Donc c'était la seule occasion, en tout cas pour nous, postiers, dans notre petit monde, d'avoir un congrès ici, en Afrique. Et quelle Afrique ? Parce qu'Abidjan, c'est spécial. Donc nous sommes très contents. Et moi, personnellement, je suis très, très heureux. C'est ma première fois à Abidjan. Je suis très heureux de venir ici pour découvrir cette capitale, cette ville, et pour aussi venir pour un congrès postal qui est africain. Je me lève. Bonjour, monsieur le directeur général. Mes dieux de Radio Côte d'Ivoire. Alors, la poste de Djibouti a des forces et des faiblesses. Mmh. Raison pour laquelle vous êtes là pour apporter des solutions. La digitalisation est-elle au cœur de la poste de Djibouti? Et il y a des pays qui sont candidats. Mmh. Est-ce que Djibouti est également candidat? D'accord. Okay. Donc, pour la première question, oui, la digitalisation, de toute façon, toutes les postes, y compris et surtout les postes africaines, sont obligés d'être de plus en plus dans la digitalisation. D'abord, en Afrique et dans certains pays africains où c'est vraiment rural, les gens n'utilisent plus beaucoup de services en termes de courrier, en termes de lettres. Il y a aussi le côté alphabétisation qui peut être gênant. Donc, nous rentrons dans un autre aspect. Donc, qui dit digital dit, par exemple, e-commerce, il dit documents administratifs en ligne, etc. Donc, oui, Djibouti, en tout cas, la poste de Djibouti essaye, à son modeste niveau, parce que certains investissements sont un peu élevés, mais en tout cas, nous proposons actuellement, par exemple, à nos clients des services de e-commerce, un peu comme le système sans l'e-shop de la poste de Côte d'Ivoire, où nous permettons déjà à nos artisans locaux de pouvoir exporter à l'étranger ou de pouvoir vendre localement, mais tout ça se fait en ligne. Nous avons aussi un système d'adresses virtuelles en Europe où nos clients peuvent acheter en ligne partout dans le monde et puis nous leur donner une adresse virtuelle. Leur colis arrive à cette adresse-là et puis nous réacheminons vers Djibouti. Étant donné qu'Amazon et les grandes plateformes, pour l'instant, ne connaissent pas ou n'ont pas encore mis dans leur base de données des pays ou des villes africaines. Donc déjà, c'est un premier aspect et nous allons de plus en plus loin dans cette digitalisation puisque nous faisons en sorte nous voulons éviter au maximum que nos usagers puissent se déplacer. C'est des gens qui travaillent ou qui viennent de loin. Donc pour éviter de se déplacer, donc s'ils peuvent tout faire sur leur téléphone portable, c'est déjà un plus. Donc faire des demandes, par exemple, tout simplement d'un acte de naissance ou d'un bulletin au niveau du tribunal, par exemple, ils peuvent le faire, payer en ligne et puis le recevoir sur leur téléphone grâce au cachet électronique de la poste. Donc, à l'époque, on disait le cachet de la poste fait foi. Donc, nous sommes juste montés en puissance au niveau digital et les postes ont créé un cachet électronique postal qui a la même valeur juridique au niveau du tribunal que l'ancien cachet de la poste. Donc, tout plein de petits services se mettent autour de la vision postale actuellement et beaucoup, voire la majorité, sont dans le domaine digital. Pour la candidature de Djibouti, non, nous ne sommes pas candidats pour ce congrès, pour les deux conseils, il y a le conseil d'administration et le conseil d'exploitation postale. Nous, en général, quand on est candidat, on le dit bien plus tôt. Là, nous avons fait en sorte, il y a 2 ans déjà, de décider 11 pays africains pour les 11 places. 11 places qui se trouvent, qui seront au conseil.
11 places qui se trouvent au Conseil. Donc, Djibouti n'est pas candidate et nous espérons l'être au prochain congrès, Inch'Allah. Bonjour, monsieur. Moi, c'est Son Désiré. Je suis journaliste à l'Agence ivoirienne de presse. Tout à l'heure, vous avez parlé de la digitalisation qui a commencé au niveau de la poste de Djibouti. Et qu'avec cette digitalisation, la population, la poste est plus proche de la population. Mais aujourd'hui, avec la digitalisation, ça veut dire qu'il faut avoir une connexion, il faut avoir Internet. Mais comment vous faites pour rapprocher la poste des populations qui sont plus éloignées, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'Internet, surtout que nous savons qu'en Afrique, ici, on a des problèmes de connexion. D'accord. En fait, je veux revenir encore à la taille physique de Djibouti. D'abord, Djibouti est situé sur un hub au niveau d'Internet. Donc, nous avons plus de 7 câbles sous-marins qui passent par Djibouti. Et c'est par Djibouti que passent les câbles sous-marins qui vont jusqu'au Congo, jusqu'au Rwanda, jusqu'en Éthiopie. Donc déjà, nous sommes extrêmement bien connectés à ce niveau-là. Tout, 40, je crois, oui, 7 câbles, dont un 8e bientôt qui sera amené. Donc, c'est des câbles qui vont de l'Asie jusqu'aux États-Unis. Donc, au niveau Internet, on n'a pas de problème. Au niveau maintenant de la couverture, c'est vrai, il y a très peu de pays africains qui peuvent se targuer d'avoir 100% de couverture Internet dans le pays. Mais nous essayons au maximum déjà d'avoir Internet un peu partout. Et s'il s'avère que la couverture téléphonique ne va pas jusque là-bas, les bureaux de poste prennent le relais. C'est-à-dire que dans les bureaux de poste, nous avons mis en place des connexions Wi-Fi autour des bureaux de poste et c'est gratuit. Donc la personne qui habite dans un chef-lieu, par exemple, elle peut se rapprocher des postes et puis voilà, faire les documents, etc., ou aller directement au bureau de poste. C'est vrai, vous avez raison, la couverture n'est pas encore à 100%, mais je pense qu'on n'est pas loin du 80%, en tout cas pour les zones habitées. Pour les zones habitées. Donc, on essaye au maximum d'avoir une connexion un peu partout. Et même, il nous arrive aussi que nos facteurs, quand ils sont dans les chefs-lieux, se déplacent, eux, pour récupérer les demandes. Donc, même s'il y a des demandes papier, parce qu'il y a toujours la demande du papier qui existe pour des gens qui sont ou âgés ou autres, quand il faut donner une retraite à quelqu'un ou quand il faut donner un certificat de vie à quelqu'un pour prouver qu'il est vivant, pour pouvoir toucher sa retraite, nos facteurs aussi se déplacent des fois sur 40, 50 kilomètres. Ça fait partie de nos obligations du service postal universel. Bonjour, Romaric Foy, journaliste à Afrique Monde. Monsieur, ce congrès, ce 27e congrès, se tient dans un contexte sanitaire particulier de la COVID. Je voudrais savoir chez vous comment vous avez géré ça et comment la poste a subi. Et puis, pour revenir à la question du confrère tout à l'heure concernant les 11 places, vous êtes pour une élection pour doter ces places au sein de l'Afrique ou bien un consensus? Vous êtes pour le consensus, comment votre pays compte participer à ce consensus si vraiment vous êtes pour le consensus? Merci. Pour la question sur le COVID, toutes les postes ont eu des soucis à cette période-là, peut-être en Afrique un peu moins, et on a eu beaucoup de chance. On a essayé, donc, de toute façon, il y a eu une période de confinement comme partout. Donc, les bureaux de poste ont fermé, sauf pour les services essentiels. Il y avait des services de transfert d'argent. Donc, nous avons revu totalement nos systèmes de sécurité avec la distance, etc. Ce n'était pas évident au début. Mais les citoyens ont compris que l'attente à l'extérieur sur des files qui étaient des fois un peu longues, le fait de se protéger, nous avons reçu des kits de protection de l'Union postale, nous en avons aussi acquis. Donc, nous avons essayé de faire ce qu'on appelle des livraisons à domicile sans contact, où on met le colis au pas de la porte et que voilà, il n'y a plus de signature de document ou quoi que ce soit pour éviter tout contact. Donc, on a essayé au maximum de respecter la distanciation. Et même si on peut dire par rapport à d'autres pays africains qu'on a vraiment eu beaucoup de chance, on n'a pas eu beaucoup, beaucoup de cas. Et jusqu'à aujourd'hui, tout va bien. Mais quand même, on se protège. Sur la question du consensus et du vote. En fait, c'est toujours un consensus. Comme dans tout vote, il y a toujours un consensus. Si on demande à 54 pays africains
de voter entre eux pour distinguer 11 pays, c'est assez compliqué. Donc, pour éviter qu'il y ait ou des gens à l'ouest, beaucoup de pays à l'ouest, ou des pays à l'est, ou des pays francophones, anglophones. Vous savez, l'Afrique est un patchwork, des fois c'est compliqué. Donc, on essaie de prendre par région, comme l'Union africaine le fait. Donc, c'est plus ou moins le même système que l'Union africaine, c'est-à-dire que si il se trouve qu'il y a 13 pays africains qu'on dit d'Afrique de l'Ouest, ils ont un certain nombre de sièges. Bien entendu, il y a des organes régionaux. Donc, pour chaque ensemble, ici, il y a la CPAO de ce côté-là, etc., etc. Donc, au niveau de l'instance régionale, il y a une discussion qui fait que s'il y a 4 ou 5 sièges pour l'Afrique de l'Ouest, ces 4 ou 5 sièges, les 4 ou 5 pays les plus dynamiques, en tout cas ceux qui font qui ont le plus envie, ils vont. Et voilà. Après, on essaie de faire ce genre de consensus. Quand il y a des cas très, très, on va dire très compliqués, on a un bureau qui décide au sein de l'UPAP, l'Union postale panafricaine des postes, qui décide et qui essaie d'arrondir les angles. Voilà. Merci. Je suis Ferdinand Bailly du quotidien Le Temps. Je dois vous ramener à votre réalité djiboutienne. Très bien. Voilà. Malgré tout ce que vous avez expliqué en termes d'avantages, qu'est-ce que peut être votre particularité comparativement aux autres postes? La taille est un avantage, paradoxalement, à Djibouti. La particularité qu'on a, c'est qu'on a des délais. On a des délais de livraison qui sont extrêmement rapides, peut-être les plus rapides au monde, vu que la capitale est très petite. Donc, une fois que vous avez reçu un colis et qu'il est arrivé à l'aéroport, on peut le livrer en 2 heures. C'est-à-dire que ce colis, en 2 heures, il aura fait il va faire tout le process de l'aéroport jusqu'au bureau d'échange, du bureau d'échange jusqu'à l'agence postale et même de l'agence postale jusqu'à votre bureau, à votre domicile. Il y a très peu de postes qui arrivent à faire cela. Déjà, J plus 2, nous, on est en heure. Donc, on peut le faire en 2 heures. C'est un avantage très intéressant qu'on a, surtout pour le e-commerce. Les gens sont très exigeants, ils veulent avoir leur objet rapidement. Donc, nous arrivons à livrer même le week-end, parce que la capitale étant petite, il n'y a pas de gros soucis en termes de logistique. Donc, c'est pour moi, je dis ça, mais je préfère parler sous le contrôle de l'Union postale, c'est un avantage. Alors, moi, je suis Yéli Traoré, journaliste à NCI. Alors, vous avez évoqué les difficultés de la poste de façon classique et la réorientation de vos activités sur certains secteurs assez innovants. Maintenant, je veux savoir, est-ce que ces innovations vous permettent de maintenir l'équilibre au sein de la poste de Djibouti? Merci. Merci pour votre question. Vous savez, les postes, en tout cas pour celle de Djibouti, elles existent à peu près depuis un poste comme Côte d'Ivoire, hein, 1882-1884. Donc, les postes ont toujours eu à faire face à des révolutions technologiques et ont toujours dû, en fait, comment dire, changer de peau et devenir autre chose. Mais elles ont toujours existé, je pense qu'elles existent toujours. Tant qu'on ne fera pas en sorte que le colis que vous commandez arrive directement chez vous, comme dans les films de Star Trek, la poste sera toujours là. Maintenant, c'est vrai que c'est pas le Saint Graal, le fait de digitaliser à outrance ne va pas non plus rétablir ou faire un équilibre. Il y a ce qu'on appelle les services financiers, et c'est là que les postes sont de plus en plus engagés. Il faut savoir que les premiers services financiers, c'était les postes, le receveur, les postes. Donc le transfert d'argent, c'était les postes en premier, c'était les postiers qui le faisaient. Donc nous faisons le même travail de manière digitale, de manière rapide. Et le fait d'avoir un réseau, parce que quand vous avez 600 000 bureaux de poste dans le monde entier, c'est inimaginable. C'est que aujourd'hui, de Djibouti, je peux envoyer un mandat à Fergus Ouédraogo, je crois, directement. Alors que c'est compliqué pour d'autres structures privées qui sont obligées de faire des contrats là-bas, de louer des emplacements. Donc il y a des bons postes partout. Donc le réseau est une force. Donc on couple la digitalisation et le réseau et on augmente. Et on ajoute, on va dire, des services bancaires. Et les services bancaires sont de plus en plus intéressants. Nous faisons des cartes prépayées, il y a des comptes épargne. L'épargne en Afrique est très importante. Certains postes de fonds, ce qu'on appelle des tontines postales. Donc, il y a toujours cette mutation qui se joue. Et les postes, depuis déjà plus d'une centaine d'années, ont toujours survécu à toute innovation technologique. Elles se sont adaptées. Donc nous nous adaptons et à chaque fois c'est quotidien plus ou moins, mais on s'adapte.
suis André Lazare, infodirect.net. Vous avez dit tout à l'heure que cela fait 5 ans que vous êtes à la tête de votre pays, et de, excusez-moi, de la force de votre pays. Et donc, peut-être c'est une prophétie. Oh, j'espère que voilà. Je voudrais simplement dire que quelles sont les difficultés que rencontrent l'ensemble des postes au niveau de la Côte de l'Afrique. Voilà, parce que vous êtes ici, on ne sait pas si on va avoir un autre représentant. Mmh. Et je pense que vous êtes censé quand même maîtriser ce domaine-là. Oui, non, vous avez raison. Il y a des difficultés partout, dans tous les domaines, hein, pas seulement pour les postes. Maintenant, si on prend les postes, et je vais prendre les postes africains, je connais beaucoup mieux les postes africains que les autres postes, on a toujours les mêmes difficultés. Vous savez, en Afrique, c'est des fois, il arrive, on a des problèmes de concertation, on a des problèmes de coordination. Vous êtes vous-même des usagers de la poste. Je ne pense pas que quand vous voulez envoyer quelque chose au Sénégal ou au Maroc, vous pensez d'abord à la poste. Des fois, vous dites, est-ce que la poste sera rapide? Est-ce que ce sera ceci, cela? Donc, il y a des problèmes à ce niveau-là où on est obligé de faire en sorte que nous devons respecter des normes, nous devons respecter le manuel de procédure de manière très, très claire. Et nous nous y attelons. Et c'est vrai que les postes africaines, il y a 10 ans et aujourd'hui, il y a une grosse différence. Moi, je me rappelle, dans mon pays, il y a une quinzaine d'années, les colis se perdaient. On acheminait vers la France, qui était le premier partenaire. On acheminait des colis et des lettres en 15, 20 jours. Aujourd'hui, on fait ça en 2 ou 3 jours et de manière totalement sécurisée. Donc, nous commençons de plus en plus à être très professionnels. C'est un coût en termes de ressources humaines, c'est un coût en termes d'investissement de matériel. Mais c'est vrai que jusqu'aujourd'hui, si on se parle de la Corne de l'Afrique, on ne travaille pas comme on devrait le faire. Comme travaillent par exemple des pays européens comme la France, l'Allemagne, l'Italie, qui sont des voisins. Donc on ne travaille pas encore comme il le faut. Il y a aussi le problème de guerre, il y a des problèmes de politique interne. Alors, en Somalie, ce n'est pas évident. Il y a un État central, mais il y a toujours des soucis. Au Yémen, en face, il y a aussi des problèmes. En Érythrée, il y a aussi des problèmes. Donc vous savez, ce n'est pas évident que nous, quand un client vient nous voir et qu'il veut envoyer des objets dans des zones où aujourd'hui ça va, mais demain matin ça n'ira pas parce que la ville est bouclée ou etc., c'est pas très évident. Mais on y travaille et puis c'est une grande famille, la poste et les postiers. La plupart se connaissent. Moi, ça fait déjà 7 ans, donc j'en connais beaucoup. Mais on s'appelle, on s'écrit des emails et on débloque les situations assez rapidement. Merci. Je suis Raphaël Okengi, journaliste pour le média Info d'Ivoire.net. Alors, déjà, une première précision. J'ai cru entendre 1 million d'habitants. Est-ce que c'est vraiment ça? Oui. D'accord. Alors, 1 million d'habitants pour 12 bureaux de vote. Pardon. 12 agences postales. Oui, pour 12 agences postales. Disons 12 bureaux de poste. Oui. C'est ça. Alors, ma question, c'est de savoir, vous avez déjà fait 7 ans à la tête de la poste, donc vous êtes plus ou moins à l'aise dans les chiffres, c'est de savoir avec 1 million d'habitants, pour 12 000, quel est le chiffre d'affaires en fait de la poste de Djibouti? Très bien. Déjà, j'ai dit 1 million, bon, on a un peu augmenté. Officiellement, on est à 892 700 et des poussières. Mais bon, on a dit 1 million parce qu'on veut grandir un peu. Mais sur les 800 et quelques poussières, vous savez, Djibouti est une zone de transit. On a normalement, je pense grosso modo, entre 200 et 300 000 réfugiés permanents à Djibouti qui sont au niveau rural, qui sont des réfugiés de guerre ou des réfugiés économiques de l'Éthiopie et de la Somalie. Donc, si je prends un chiffre normal, je dirais peut-être 500 000, 600 000 djiboutiens, c'est-à-dire citoyens djiboutiens, qui peuvent avoir accès aux services postaux. Le chiffre d'affaires qu'on peut avoir... je vais le dire en euros, je suis un peu plus à l'aise en euros. En euros, on est aux alentours de 5 millions, entre 5 à 7 millions d'euros l'année en termes de chiffre d'affaires. Bien entendu, on est très en deçà de ce qu'on pourrait faire. Je pense qu'on est plus ou moins dans 25% du segment, on va dire, de ce marché. La poste de Djibouti actuellement, parce qu'il y a des grandes antennes privées comme DHL, comme FedEx, etc., que vous connaissez, qui prennent un peu le secteur logistique. On a des gens comme Western Union, MoneyGram, etc., qui sont dans le secteur des transferts financiers. Mais aujourd'hui,
ce que nous faisons grâce à notre réseau, grâce à l'Union Postale qui nous met à disposition des logiciels qui sont très pointus et qui ne sont pas très chers, puisqu'on paye une location, nous arrivons à les concurrencer fortement et même à les battre sur certains segments et certains couloirs de transfert d'argent. Donc, je pense que je ne suis pas le seul. La plupart des postes africaines, le chiffre d'affaires tend à augmenter ces dernières années, vu les nouvelles pratiques commerciales qui ont été mises en place et vu toute l'aide technique que l'Union Postale fait. Oui, DG. Concernant les ressources humaines, combien d'employés compte la poste de votre pays? Et vous avez tout à l'heure dit que vous comptez, vous avez un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros par an. Est-ce que la COVID-19 a-t-elle impacté ces chiffres d'affaires? Donc, la poste de Djibouti a aux alentours de 250 employés sur tout le territoire. Et la COVID-19 a fortement impacté. De toute façon, vu que comme les gens ne venaient plus et comme les gens ne pouvaient plus sortir, on va dire, il y avait tous les produits en chuté. À part un peu de transfert d'argent, parce que nous avons beaucoup d'étudiants djiboutiens qui sont à l'étranger, au Sénégal ou en Europe ou ailleurs. Donc, leurs parents envoyaient de l'argent, ça, c'était une obligation. Mais c'est vrai que la partie colis, la partie tout ce qui est logistique, par exemple, c'était bloqué. Étant donné que même au port, c'était compliqué, aux aéroports, c'était compliqué, les avions ne venaient pas. Vous savez que les postes utilisent beaucoup les avions, parce que c'est plus rapide. Donc, une fois que l'aéroport est fermé, techniquement, on est fermé. Donc, on était obligé d'utiliser que des services digitaux financiers, on va dire, pour pouvoir un peu tenir. Mais bien entendu, notre gouvernement a mis en place un mécanisme comme pour toutes les entreprises privées et publiques. Mais nous avons eu, c'est vrai, un avantage, c'est que le gouvernement nous a mis en place un petit parachute pour au moins atténuer la chute et faire en sorte que nous pouvons tenir la tête hors de l'eau le temps que ça passait. Donc, on a été aidés pendant 5 mois et puis on a repris au fur et à mesure progressivement nos activités pour redevenir, on va dire, indépendants. Très bien, on va continuer encore un peu. Je vais juste préciser que la poste de Djibouti a été créée il y a un quart de siècle, en 96. Elle a été créée, en fait la poste existait, mais comme on était sous colonisation, c'est ça. Voilà, on a juste changé de nom. Donc, voilà. Elle est devenue une société à participation publique en 98. Voilà, 98. Voilà. Donc voilà. C'est une entreprise jeune qui accomplit un travail formidable. Et je vais préciser qu'en 2018-2019, vous avez été félicité par un cabinet PwC, oui, parce vrai. Que vous avez connu un bond dans le classement des postes mondial. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous avez gagné 58 places. Vous êtes passé de la 200 et quelques places à la 170e, oui, je crois, oui, dans le monde. C'est vrai. Donc, c'est vrai. Ce qui prouve que vous avez une qualité de service que vous apportez au public. Oui, modestement, on était dans les derniers. Donc, on ne pouvait qu'avancer, hein. On pouvait commenter, on ne pouvait pas descendre plus bas. Donc, mais c'est vrai qu'on a arrangé, on va dire, certains critères, on a respecté des normes de service et des normes de qualité pour pouvoir remonter. Et la taille du pays aidant, et nos postiers aussi, ils adorent ce métier, donc ils n'en dorment pas. Donc, on est arrivé à remonter, oui, je crois que c'était 58 places. 58 places. Oui, on est passé, en tout cas, ce que je compte, c'est qu'en 2014, quand je suis arrivé, je pense qu'on était aux alentours de 174 sur 192 pays membres. Et aujourd'hui, je pense au dernier classement, au premier trimestre 2021, je pense qu'on est 73e mondial. Donc, on est dans les 73 premiers. Bon, la Côte d'Ivoire est loin devant. On essaie de rattraper la Côte d'Ivoire, déjà qui est notre premier challenger, mais on y arrivera. Inch'Allah, donc voilà. Alors, il y a un service que vous avez développé qui est en direction de la diaspora djiboutienne. Pouvez-vous nous en dire un petit mot? Comment vous fonctionnez avec vos ressortissants qui sont basés à l'étranger? C'est vrai, on a un service de en fait, on voulait faire une promotion de l'artisanat et on a remarqué que notre diaspora à l'étranger, ils sont friands de choses un peu locales. Bon, la nourriture, c'est un peu compliqué, à part la nourriture un peu séchée, mais tout ce qui est décoration, tout ce qui est objets, pagne, etc., colliers, sont très demandés. Et c'est vrai qu'ils n'avaient pas accès, donc ils faisaient comme on fait tous en Afrique, c'est-à-dire quand quelqu'un arrive du pays, de dire « ramène-moi ça, achète-moi ça », etc. Donc, pour essayer de rendre ces gens indépendants, entre guillemets, nous avons donc fait un site internet
où ils peuvent y accéder et donc s'inscrire en ligne et acheter avec leur carte de crédit. Et puis, nous nous occupons de la livraison et de la logistique. Donc, nous avons en plus aidé nos artisans locaux. La Poste ne gagne pas vraiment ou à peine, on va dire, 5% du prix parce que, encore une fois, c'est vrai qu'on dit souvent les postes sont des entreprises, elles sont privées, mais c'est l'État qui les possède. Et nous avons cette obligation de service postal, ce n'est pas le tout profit. Donc, il faut qu'il y ait un profit raisonnable pour pouvoir continuer à travailler, à créer des véhicules pour le travail. Mais c'est surtout pour que l'usager final, qui peut être un monsieur qui est maçon, comme il peut être un monsieur qui est ministre, puisse avoir accès à des services qui sont totalement équitables. Alors, juste avant de passer la parole à Habib, aujourd'hui, on observe que les services postaux sont clairement confrontés à la concurrence des sociétés de transfert d'argent. Mm-hmm. Le traditionnel mandat semble quasiment disparu. Mm-hmm. À Djibouti, comment faites-vous pour continuer, pour poursuivre ce service-là? Est-ce que vos usagers ont recours à vos services pour les transferts d'argent, pour envoyer de l'argent à des parents à l'intérieur du pays comme à l'étranger? Mm-hmm. Merci, c'est une bonne question. Vous savez, les usagers, de toute façon, quand ils viennent dans un bureau de poste ou quand ils veulent un service, ils recherchent surtout, ce qu'ils recherchent, c'est un service qui n'est pas cher. Donc, ils recherchent surtout un service qui n'est pas cher et qui peut être pratique. Les mandats n'ont pas vraiment disparu. Le mandat papier a disparu. Le mandat papier a disparu au niveau des postes, c'est vrai, mais il y a un mandat il est devenu électronique. Donc, on fait exactement le même travail que le Western Union et nos concurrents, on va dire. Ils font ce qu'ils, nous, on a aussi des mandats minutes. On fait exactement le même travail et on le fait pour moins cher. Donc, ce qu'on a fait, par exemple, moi, quand je suis arrivé, on avait un concurrent à l'intérieur même de la Poste avec qui on avait un contrat et qui avait en gros 80% du marché de transfert d'argent. Mais les commissions étaient élevées. Donc, le client final, finalement, il était amené à payer plus en termes de commissions. Donc, nous avons augmenté notre capacité à envoyer des mandats postaux, qui sont des mandats électroniques. Et nous sommes arrivés à dépasser, nous avons inversé carrément la courbe. C'est-à-dire qu'il est passé à 20% de nos transferts d'argent et 80% ont été pris par les mandats postaux. Puisque les commissions qu'on demandait, ils étaient à 50% moins chers pour le même temps. Quand vous envoyez à 8 heures le matin et que la personne qui vous envoyait en France ou à Abidjan, elle le reçoit à 10 heures, c'est-à-dire 2 heures après, c'est exactement le même travail qu'on fait. Sauf qu'eux, ils sont très bons dans tout ce qui est marketing, tout ce qui est publicité. Donc, les gens, finalement, se sont dit « Ah, ça, c'est la confiance, ça, ils sont bien. » Mais les postes arrivent aujourd'hui à les concurrencer, voire à les dépasser de très loin. On n'a pas de service bancaire. Les postes, même à l'époque coloniale, on n'avait pas les comptes chèques postaux ou les comptes d'épargne. On est en train de faire actuellement. On a pris un partenariat avec une banque de la place pour pouvoir commencer, et le gouvernement l'a demandé, pour augmenter le taux de bancarisation des gens. Il est à peu près à 20%, donc ils veulent augmenter. Et personne n'est mieux placé que la Poste pour pouvoir ouvrir des comptes, y compris dans les zones rurales, à moindre frais. Les banques ne vont pas dans ces zones-là, ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, mais les postes peuvent y être déjà. Donc, nous sommes en train de travailler, et je pense que d'ici une année, nous arriverons au moins à lancer de l'épargne postale et des comptes chèques postaux. Monsieur Benham Ali Meidal, nous sommes une semaine après l'ouverture des travaux de ce 27e congrès postal universel. Je voudrais savoir, après les premiers échanges, qu'est-ce que la Poste de Djibouti a pu capter comme partage d'expérience qui pourrait apporter une plus-value aujourd'hui. Merci. D'abord, le partage d'expérience se fait déjà hors du congrès. Vous savez, autour, il y a toute une partie B2B, il y a le réseau, il y a les discussions qui sont à côté. Des fois, dans le congrès, la plupart des discussions sont extrêmement techniques. Ce sont des points extrêmement de détails que toute personne qui n'est pas postier va s'endormir complètement parce que c'est pas évident de suivre. Mais quand certains pays prennent la parole et parlent d'un point technique et disent « voilà, nous, on a eu ce problème-là et puis on l'a réglé comme ça », c'est ça qui fait en sorte que cette expérience est enrichissante. Et si on a besoin de plus de discussions, donc on va voir la personne
qui a pris la parole, et puis on essaie de l'avoir à côté et de discuter et de voir. Donc, d'ores et déjà, par exemple, pour ce qui est de Djibouti, c'est qu'il y a un organisme qui s'occupe des projets. Donc, le fait de connaître les futures pistes de cet organisme-là et où est-ce qu'il va plutôt axer son aide, fait que nous nous préparons en amont à monter les dossiers pour pouvoir respecter, par exemple, les prochaines normes en termes de sécurité postale, parce qu'il faudra des scanners. Il y a aussi on va passer un jour ou l'autre à des lettres qui ont des petites languettes, on appelle ça RFID, c'est des fréquences. C'est-à-dire que votre lettre, elle aura cette languette-là, et puis vous pouvez la suivre vous-même sur votre téléphone, presque heure par heure. Donc, c'est des choses au fur et à mesure auxquelles les postes sont en train de s'habituer, de chercher à investir. Donc, il y a toujours, et c'est ça qui est intéressant dans un congrès, c'est que toutes les expériences sont importantes, sont riches. Donc, on se pose des questions, on discute et on essaie d'avancer. Bonjour, monsieur le directeur général. Ma question est hors contexte postal. En fait, je voulais savoir, si j'ai bien compris, c'est votre première fois de venir en Côte d'Ivoire. Je voulais savoir si vous avez eu l'occasion de sortir un peu du cadre de l'hôtel Ivoire, d'aller à la rencontre de la population ivoirienne. Oui. Et je voulais savoir s'il y avait des similitudes avec la culture djiboutienne qu'on connaît malheureusement très peu ici. Oui, il y a des similitudes. Oui, j'ai eu l'occasion de sortir. Vous savez, je connais la Côte d'Ivoire de loin depuis plus de 25 ou 30 ans. Merci les magazines, merci Internet. Donc, je connais la vie politique locale mieux qu'un Ivoirien. Des fois, je me pose des questions. Je me dis, j'aurais dû prendre la nationalité ici. Mais je connaissais des noms comme Trècheville, à Djamé, au Pougon. Donc, je les ai vus maintenant. Donc, je sais. Maintenant, il me reste à voir Yamoussoukro. Je ne suis pas encore allé. Assini, il paraît que c'est très beau. Donc, voilà. Je vais profiter aussi pour voir tous ces coins-là. Les similitudes. D'abord, il y a des cultures propres aux Africains. Il y a des cultures aussi, on peut dire, quand il s'agit de religion, dans la religion musulmane d'Djibouti, il y a des musulmans ici. Donc, on trouve des similitudes dans les habits. Il y a aussi des similitudes. Mais il y a aussi le côté que j'aime beaucoup ici à Abidjan, ou en tout cas en Côte d'Ivoire, c'est que les gens sont heureux. Les gens ne sont pas renfermés, les gens sont accueillants et les gens sont heureux, quel que soit leur statut social. Et ça, c'est intéressant parce que moi, j'ai vu ça aussi à Djibouti, c'est que les gens ne vous embêtent pas, les gens discutent, les gens vous accueillent. Donc, il y a de vraies similitudes et je suis là depuis une semaine, donc j'ai encore quelques jours pour connaître encore plus de choses ici. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Merci à vous. En tout cas, nous avons apprécié cet échange avec vous. Merci. Qui nous a permis de découvrir un peu votre travail, votre mission. Félicitations pour ce que vous faites pour la population djiboutienne. Merci à vous. Parce que l'État, à travers le service postal, est proche des populations. Je pense que c'est une mission majeure. Oui, vous apportez l'inclusion financière aussi, quelque part. Vous réduisez la fracture numérique, ce qui est important. Et en tout cas, nous vous souhaitons bonne chance pour la suite de votre mandat. Parce que c'est une poste qui est jeune. Et oui, on voit qu'en 25 ans, vous avez accompli beaucoup de choses. Vous êtes à la tête de cette institution depuis 7 ans. Mm-hmm. On vous souhaite encore de nombreuses années à la tête. Merci. Voilà. Merci. Inch'Allah. Merci beaucoup. Voilà, chers amis, c'est la fin. Mais comme il est des traditions, on va laisser encore la parole à monsieur le DG pour refermer cette rencontre. C'est à vous. Donc, je ne sais pas ce que je vais rajouter. Plus, je vous remercie déjà pour vos questions qui, je ne pensais pas qu'elles seraient aussi pointues pour un domaine qui est des fois un peu pas évident à saisir. Donc, en tout cas, je suis très content d'être, je vais revenir sur le fait que je suis en terre africaine et à Abidjan. Et j'ai toujours entendu quand les gens parlaient d'Abidjan, disant Abidjan, c'est doux. Abidjan, c'est vraiment doux, je le dis. Merci beaucoup. Merci DG. Très bien. Alors, ne partez pas, on va prendre les photos de famille. D'accord. On va juste débarrasser le pupitre. Voilà. Les journalistes, vous venez ?